Ce mercredi 19 avril, Victoria Bedos était invitée dans l'émission Click, diffusée sur Canal+. Sur le plateau de Mouloud Achour, l'écrivaine et scénariste de 38 ans a été interrogée sur son rapport à l'argent, aux côtés de Philippe Catherine, qui joue dans son film La plus belle pour aller danser. Moi, j'ai un problème, a-t-elle d'abord lancé, en expliquant qu'on ne parlait pas d'argent dans sa famille et que, de ce fait, si est-il devenu compliqué pour elle de gérer ses finances en grandissant. C'était quelque chose de tabou, comme le sexe en effet, et du coup, à force de ne pas en parler et de ne pas aimer l'argent, il te le rend bien, a estimé la fille de Guy Bedos. Elle a ensuite précisé avoir très peur de l'argent et ne pas savoir dépenser en toute connaissance de cause. Je ne parle pas, je fais comme si ça n'existait pas, donc quand je suis à découvert, j'essaye de ne pas le savoir, je fais des dénis, très régulièrement, a-t-elle affirmé en toute franchise. Et ça m'angoisse, a-t-elle ajouté, avant de reconnaître qu'elle vit tout le temps au-dessus de ses moyens. Un peu plus tard dans l'émission, après qu'un extrait sur la série documentaire L'Art d'être riche, disponible sur Netflix, eut été diffusé, Victoria Bedos a révélé être choquée par le comportement des gens radins, qui calculent le moindre centime dépensé. Supérieure à Victoria Bedos lorsqu'elle était enceinte, aux côtés de son frère Nicolas Bedos et de leur mère la radinerie, une vraie maladie pour Victoria Bedos, il n'y a pas pire, pour moi, qu'un mec comme ça. Ça me dégoûte, précisément. Je trouve que la radinerie est vraiment quelque chose d'irrécupérable, en plus, a-t-elle assuré. Lorsqu'une chroniqueuse lui a demandé si, à ses yeux, si est-il plus grave chez les hommes que chez les femmes d'économiser à l'extrême, la scénariste et réalisatrice a déclaré, « Je ne sais pas puisque je connais moins de femmes radines que de mecs radins. Il y a des gens qui sont radins. Si est-il une vraie maladie, en fait. Mais si est-il pathologique. » Avec humour et dans le sens inverse, la sœur de Nicolas, Leslie, Mélanie et Philippe Bedos a toutefois indiqué que si est-il triste aussi de payer des restaurants, à ses proches, quand on n'a pas d'argent, comme elle le fait régulièrement, par pure générosité. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran Canal+.